Eh bien salut à tous les amis, c'est Warlock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 80e épisode de notre Let's Play commenté sur Assassin's Creed Odyssey, DLC 1, Legs de la Première Lame. On se retrouve après l'épisode 79, j'enchaîne, donc vous inquiétez pas si vous avez l'impression que ça se finit au moment où ça commence pour l'épisode d'après. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'enchaîne un petit peu quand même. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, on avait assassiné la majeure partie de l'ordre des chasseurs, l'ordre des anciens qui se trouvent en Macédoine et qui sont perses. Et maintenant, on va reprendre la quête principale avec Nima et Darius. Donc on va y aller de suite. On va faire le saut de la foi. Bon, on va faire le saut de la foi parce qu'apparemment ils sont juste en bas. Et puis on va reprendre tranquillement. Je sais pas combien de temps l'épisode 1 va nous prendre. L'épisode 1 du DLC est mis sur la traque. Mais au moins on va essayer de faire ça rapidement. Alors, bonjour. Le vieil entêté. Il est parti chercher le bonheur tout seul. Qu'est-ce qu'il croit? Il passe sa vie à dire « je travaille seul ». Mais s'il continue, il va mourir seul. Il a besoin de notre... Les pères sont persuadés de tout savoir. Tu as vu ces cicatrices? Avec l'âge, elles sont sans cesse plus nombreuses. Nous devons l'aider à traquer le bonheur. Bon, et maintenant? Mon père suit ses pistes. Mais moi, j'ai mes propres informations. Le veneur a des lieutenants qui appliquent ses ordres, alors que lui reste caché. Nous devons les trouver et leur faire dire où il est. Dis-moi où pointer ma lance et ses lieutenants parleront. Crois-moi. L'un des lieutenants du veneur est un recruteur. Il renforce son unité de mort afin de te traquer. Sache que j'ai fait part de cette piste à mon père. J'ai aussi un contact qui devait surveiller les activités de l'ordre. Elle a disparu dans le monde. Je vais la chercher là-bas. Enfin, des gens tombent gravement malades au village de Petit Dé. Je soupçonne le maire. Ton contact dans les marais. Tu sais ce qui est arrivé à cette femme? Je l'ai envoyée là-bas espionner un lieutenant de l'ordre qui commande les troupes spartiates dans la région. Je pense qu'il s'est attaqué à elle. Nous devons la sauver et tâcher de recueillir d'autres informations sur le bonheur. Il faut que j'en sache plus sur ce qui se passe dans ce village. Les habitants sont très malades, et c'est sûrement à cause de l'ordre. Le magistrat s'occupe de la situation, mais j'ai des doutes sur ses intentions. Tu as parlé à Darius d'un recruteur de l'ordre. Où vais-je trouver ton père? Il en a peut-être appris davantage. Le recruteur organise des réunions dans les fermes de Macédoine. Il y en a une près du repère. Je vais examiner ces pistes pour trouver le veneur. Kéré, Nima. Voilà Darius. Retrouve-moi, petit. Il faut que j'examine quelque chose. Ok. Donc normalement on a plusieurs quêtes, c'est ça. Ouais, voilà, plusieurs quêtes acceptées. On va faire celle de Darius en priorité. Elle est exposer le recruteur. Voilà, on va faire celle de Darius en premier. Donc c'est parti. Écran noir des ténèbres. C'est comme vous voulez. Je t'ai trouvé. On ne me trouve que si je le désire. Nima dit que tu as trouvé quelque chose. Ça pourrait nous mener au veneur? L'ordre prépare quelque chose. Tu veux le veneur? Alors reste dans les parages et aide-moi à le contrer. Je t'écoute. L'un des lieutenants du veneur s'occupe du recrutement de l'ordre en Macédoine. Alors si on le trouve, on aura une piste. Cherche des documents, des messages, des registres. Ils nous diront où se déroulera la prochaine réunion. Et sois discret. J'essaierai de ne pas me faire voir. Bien. Et toi? Je vais aller au village et découvrir quand doit se tenir la réunion. Je t'y retrouve quand j'en ai fini au fort. Trouver des informations sur le veneur, ça ne doit pas être bien difficile. Trouvé. Et voilà. Ah, il en manque une. De toute façon, il va falloir que je scanne tout le fort.
Alors, ce fort. Normalement, il devrait pas y avoir grand monde parce que je l'ai quand même assez vidé ce truc quand j'ai joué en off en faisant l'histoire principale. Après, c'est pas impossible qu'ils aient remis tout le monde, mais bon. La manette rouge. Mais bon, après on sait jamais. Donc, logiquement, il devrait pas y avoir grand monde. Allez, on va estimer que c'est bon. On va y aller. J'aurais peut-être du mal. Non, ça va, ça passe. Alors. Comment est-ce que je peux faire déjà ce fort en mode discret? Je me rappelle plus. Oh, si je ne dis pas de conneries. Voilà. Bah, sur ça, on est good. Mieux vaut éviter de se faire voir. En réalité, je m'emmerde la vie pour rien. Ce qui me suffit juste de défoncer la flamme, de buter tout le monde. Ok, merci le jeu. Merci les bugs. Parce qu'en fait, j'ai des cibles un peu partout. Il faudrait que j'évite de me faire repérer par le polymarque aussi. Polymarque qui se trouve là et qui, à mon avis, fait des allers-retours entre là et là-bas. J'ai deux cibles qui se trouvent là-bas. Alors. Darius m'a dit d'être discret. Et oui, et on va essayer d'être discret. Et pour essayer d'être discret, il faudrait que je trouve un angle d'attaque assez intéressant. Alors je vais tenter d'attendre lui ce qu'il fait. À mon avis, il va monter, m'en approcher, essayer de le buter, laisser passer lui là-bas. Et m'occuper de lui. Il y a quelqu'un. Ah bon? Comment tu l'as vu? Il est où le cadavre? Ah, il est là, oui. J'ai moyen de me planquer moi si je descends. Ouais, j'ai moyen de me planquer là. Voilà. Alors maintenant, question du futur, est-ce que je peux assassiner tout le monde? Parce
parce que pour le coup j'ai pas beaucoup d'adrénaline. Ah, ça c'est pas mal ça. Eh ben. Peut-être qu'il n'y avait rien à en prendre. Ouais, bon, c'est vrai que niveau adrénaline, je suis pas allé full adrénaline. C'est vrai que c'est peut-être le seul défaut. Peut-être mon seul défaut. Je l'avais pas vu lui. On a déjà récupéré un truc. Le deuxième, il est là. Le troisième, il est là-bas. Faudrait que je descende en fait. Et il est remonté. C'est un fail, mesdames et messieurs. Parce qu'en plus, lui, il vient là. Faudrait que je puisse assassiner lui, là. Ce serait vraiment pas mal, en fait. Ça me donne plus d'adrénaline. Alors, retour en arrière. Là, il y a du monde. Pourquoi je l'ai pas, lui? À pas être évident, je pense.
Ou alors ça peut être évident, mais en gros. Ah, je fais tout ça pour rien en fait. Non, tais-toi, madame. Je peux faire ça aussi. Ah, ça l'a tué, ok. Pourtant, les stratégiotes de base, je peux pas les assassiner, mais bon. On va rien dire. Bah, dans ces conditions, il y en a un là-bas, alors autant se le faire. Hein. Bon, mais tant mieux, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire tant mieux. Allez avant qu'il se barre. Les chèvres saigneront, les papillons seront attirés par la flamme. Allez, ça en fait deux. Le serpent renaîtra. Nouveau crochet, nouvelle peau, nouvelle vie. Peut-être que Darius saura ce que ça veut dire. Et l'autre, il est là-bas. Sans se faire griller, c'est ce que Darius a demandé, donc c'est plutôt pas mal pour l'instant, j'y arrive. Il n'y a pas une entrée ici. Là, pourtant c'est juste là. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Là, il y a un monsieur que j'aimerais bien assassiner dans la mesure du possible. À moins que l'entrée elle soit là. Si c'est le cas, j'ai rien à faire, j'ai juste à descendre. Est-ce que c'est le cas? Attends, on va envoyer Icarus. Icarus. Icarion. Ah, l'entrée elle est là. Ah, l'entrée elle est là. Je l'ai pas vu lui. Viens. Viens, je te fais la peau, viens. Allez hop. Ça m'a quand même pris 19 minutes, 20 minutes à faire quand même, hein, juste ça. Maintenant, il faudrait que je trouve la sortie. Ici? Allez, ici. Hop.
Et hop. Voilà. Ça, c'est fait. C'est bien passé. Très bien. Personne ne s'est aperçu de ma présence. Parfait. Tu en penses quoi? Ça n'a pas l'air d'être des messages secrets. Celui-là. Des crochets? Ce sont des recrues. Et les chèvres qui saignent. Un élevage de chèvres. Comme celui-ci. C'est là qu'aura lieu la réunion. L'ordre utilise du sang de chèvre pour ses rites initiatiques. Ce message ne m'apprenne rien. Mais ta connaissance de l'ordre est utile. Que sais-tu d'autre? Je sais que la réunion est pour bientôt. Il y a toujours un signal pour les attirer. Ce message doit en dire davantage. Ce passage sur les papillons et la flamme. S'ils utilisent des élevages de chèvres, ils sont peut-être venus ici. Nous devrions chercher des indices. D'accord. Par où veux-tu commencer? Par ce grenier. Il est petit, mais plein. Et il doit attirer les gens, quoi. Comme le miel attire les abeilles? Je ne crois pas. Moi non plus. C'est une affaire de feu et de flamme. Il y a quelque chose ici. Ces bûchers de foin, il y a des marques de suie à leurs pieds. Et alors? Quelqu'un a brûlé du foin ici. Le signal, ce sont les flammes. Ce qui signifie que les réunions ont lieu la nuit, car... La flamme attire les papillons. Exactement. Il suffit d'attendre que la réunion commence. Il y a un autre élevage de chèvres tout près, de l'autre côté du pont. Bien, je t'y retrouverai à la nuit tombée. Allez, voilà, on n'a pas... Je crois qu'on n'a pas... On n'a pas fini la quête. Donc on va continuer. Je pense que si ça déborde un peu de 30 minutes, ce n'est pas très grave. J'ai trouvé un endroit d'où observer la réunion. Nous attendrons là. Écran noir des ténèbres. De ce résultat. Le recruteur. Avant toute chose, le porteur d'aigle. Votre mission est simple. Apportez-moi sa tête. Je vais les contourner. Ne le laisse pas s'enfuir. Je n'ai pas besoin de ton aide. Reste. Malaga. Attendre la fin de la réunion, ou y aller maintenant? Où est passé Darius? Buvez! Et rejoignez nos rangs! Vous jouez un rôle important. Alors, vous êtes libre dans votre camp. C'est le porteur d'aigle. La faute des malheurs de la Macédoine. Voyons en tragédie. La réponse est la mort. Vous êtes disparu, vous êtes établi
se battre. Ce sont des villages, des paysans. Nous n'avons aucune chance de notre propre terre. Nous avons ces provinces au village que nous avons laissé. Alors, désormais, on a arrêté tout le monde. Il s'en va. Et seul. Voilà l'occasion. Je ne peux pas attendre Darius. Bon ben voilà. Un autre message. J'espère de bonnes nouvelles à propos du recrutement. Retrouve-moi au lac. Le veneur. Un lac. Intéressant. Où est-ce que tu te cachais ? Plus près que tu n'imagines. Tu n'as jamais été réellement en danger. Tu es parti. Pourquoi ? Je devais m'assurer que tu n'appartenais pas à l'ordre. Tu me soupçonnais encore. Parce que toi, tu n'as jamais douté de mes liens avec l'ordre ? J'ai eu des soupçons, c'est vrai. Tu as immédiatement compris le message chiffré. Tu connais ses rites et ses méthodes. Je sais que tu es sans reproche, et nous avons nos réponses. D'après le message, le veneur se trouve près d'un lac. J'ai d'autres pistes à suivre, et je suis sûr que Nihima en a d'autres pour toi. Quoi qu'en cache Darius, je le découvrirai. Bon. Ah ben c'est parfait, on a fini cette quête là. Il nous en reste encore deux, je pense. Et puis après, je pense qu'on arrivera au veneur et on aura fini le délire de la quête de l'épisode 1. Non, je veux l'ordre des anciens, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on a tué lui. Il nous manque une personne ici et le veneur qui se trouve ici, j'imagine. Ouais, c'est le veneur, ça. Ça fait combien de temps? Ça fait 28 minutes. 28 minutes. Est-ce que on peut se permettre de continuer? Il y a encore une quête qui s'est rajoutée. Q, hein. Encore Malaka. Ah, ça, je le ferai en off. Hein. Mystérieuse maladie. Je pense qu'on va essayer de... Ah, on va essayer de continuer la quête. Un petit peu quand même. Si ça déborde un peu les 30 minutes, je pense pas que ce soit la fin du monde. Ah, il est où, lui? Bon, on va appeler le cheval, hein. Vas-y. Allez, on y va avec le cheval. J'ai pas le temps pour vos conneries. Bonne journée. Ça va, on a fait vite quand même. Avec le cheval, en fait, ça va beaucoup plus vite avec le cheval qu'en se téléportant dans ce jeu, je m'en suis rendu compte. Q.
puis au moins ça permet de récupérer aussi des trucs. Alors est-ce qu'il y a un... Voilà. Voilà, voilà. Il y a encore du monde ? Je pense pas. Les animaux ? Où sont les gardes ? Moi j'ai récupéré, ouais, j'ai récupéré. Alors où est-ce qu'il y a du monde ? Ici. Merci. À côté, il y a personne. Ah si, il y a. Hop, voilà. Il y en a d'autres. Voilà. Merci, Mistios. J'ai cru que ces bêtes allaient me tuer. C'est Nihima qui t'envoie. Tu dois être son contact. Mon fils surveillait un membre de l'ordre. C'était sa première mission. Mais il s'est fait capturer. Jamais je n'aurais dû le laisser accepter. Tu n'y es pour rien. Ton fils a fait un choix et tu l'as respecté. Il avait la vie devant lui. Mais maintenant... Où ce fou a-t-il emmené ton fils ? Ces soldats l'ont conduit en aval. Ils vont le mettre à mort, Mistios. Bah non. Je t'en prie, sauve-le. Où a-t-on vu ton fils en dernier ? Vers l'aval, Mistios. Des gardes l'ont emmené avec violence. Ok. Dis-moi plus au sujet de ce fou. On raconte des choses sur lui. Le hurlement des bêtes annonce sa venue. Ok. Je n'ai vu que ses gardes. Ils ont emmené mon garçon. Je t'en prie, Mistios. Ramène-moi mon fils. Ok. Tu es blessé. Reste ici pendant que je vais chercher ton fils. Dépêche-toi, Mistios. Ils sont peut-être en train de le dépecer. Il faut que je retrouve son fils. Espérons qu'il n'est pas entre les mains du fou dont elle a parlé. Vrai carnage. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et voilà le brouillard. Quel genre de monstre est capable de ça? Ok. Ces outils ont été utilisés sur les victimes. Ce carnage n'est pas l'œuvre des loups. Cette porte est verrouillée. Mais les traces de sang mènent plus loin dans les marais. Le voilà. Tout va bien. C'est ta mère qui m'envoie. Calme-toi, d'accord ? Non ! Ne me tue pas ! N'approche pas de moi ! Reviens ! C'est ta mère qui m'envoie ! Petit ! Reviens ! Par les dieux, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Petit, reviens ici ! Où sont ? Qu'est-ce que c'est que ça ? N'approche pas de moi ! Ne t'en fais pas. Tu ne crains plus rien. Viens ici. Il est dangereux. Tu les as tués. Tu les as tous tués. Tu es intelligent, petit. Tu n'auras plus à souffrir ici. Maintenant, file. Un combat contre le fou ? Ici, voilà le chien de Darius. Qui cherche le bonheur. Dis-moi où il est avant que je ne te tranche la gorge. Tu ne connais que la violence, n'est-ce pas ? Tout comme ton maître. Dis-moi, Border d'Aigle, tu fais vraiment confiance à Darius? Il est honnête, ce qui suffit pour avoir ma confiance.
Tu devrais mieux choisir tes comparses, porteur d'aigle. Au moins, sais-tu quel est son nom? Son vrai nom? Tu crois connaître Darius? Xerxès croyait connaître Darius. Quoi que tu prépares, tu ne réussiras pas. J'ai déjà réussi. Tu es lui, n'est-ce pas? Que penses-tu de ce spectacle? C'est là l'œuvre d'esprit malade. Tu as raison. Ces visages ne te disent rien. C'est toi qui as tué ces hommes. Ils avaient des amis, des amours, des familles. Leurs proches méritaient-ils vraiment de mourir? Et ne méritent-ils pas d'être vengés? Assez parlé. Si c'est une question de vengeance, bats-toi! Ne vois-tu pas? Dès que tu as le choix, tu ne penses qu'à la violence. Tu fais couler le sang partout où tu passes. Écartez-vous de mon chemin! Attends, avant de gueuler comme un porc, mon gars. Voilà. Viens te battre. Je te vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Le veneur t'attend dans la forêt. C'est... Chercher, veneur. Tout ce sang versé. Toutes ces vies perdues. Il le fallait. Bon. Eh bien, on a fini cette quête aussi également. On va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser votre meilleur pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner seulement si le contenu de la chaîne vous intéresse. C'était le 80e épisode de notre Let's Play commenté sur Assassin's Creed Odyssey, le leg de la première lame, épisode 1, la traque. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Warlocks. Salut!